Les pêcheurs artisans sont en train de disparaître à cause de cette innovation technologique qui permet simplement de vider l'océan. Le principe même de la pêche électrique, c'est de remplacer des chaînes qui allaient gratter le sédiment pour déloger le poisson plat, comme par exemple la sole ou la plie. Donc ces chaînes ont été remplacées par des électrodes qui créent un champ électrique qui déloge avec une force colossale le poisson du sédiment. Ça provoque une contraction incontrôlée musculaire du poisson. C'est exactement le même principe qu'un taser. Un taser, on ne peut pas contrôler la réaction du corps. Là, c'est exactement la même chose sur le poisson. C'est d'ailleurs le même type de courant. Et donc, on a le poisson qui est soumis au courant, qui va se tordre et convulser sous la force du champ électrique et qui va être happé comme ça par le filet. Ça touche toute la vie marine, puisque ce n'est pas seulement les sols ou les plis qui sont touchés, mais ça va aussi être les œufs, les juvéniles, les étoiles de mer, les oursins, les autres espèces qui vivent autour. Et le champ électrique est tel que les grands cabillauds, par exemple, souffrent de fractures de la colonne vertébrale quand ils sont soumis à ce champ électrique. La pêche électrique, c'est la dernière invention de la pêche industrielle. Ça a été développé par les Néerlandais dans les années 70-80. Et c'est une pratique qui a été interdite en Europe en 1998. Mais grâce au lobby des pêcheurs industriels néerlandais, la Commission européenne a levé cette interdiction en autorisant des dérogations dans la partie sud de la mer du Nord. La pêche électrique, comme tous les sujets de gestion de la pêche, au niveau européen, c'est assez compliqué. Il y a un processus législatif qui prend des années à se mettre en œuvre et à être appliqué. Donc on a la Commission européenne qui a proposé la généralisation de la pêche électrique en 2016. Le Parlement européen, grâce à notre campagne publique de sensibilisation, a voté pour une interdiction totale et définitive de la pêche électrique en janvier 2018. Et depuis, il y a une discussion avec le troisième acteur européen, qui est le Conseil de l'Union, c'est-à-dire avec les ministres de la pêche. Et il faut que ces trois institutions trouvent un terrain commun. Le problème, c'est qu'on a la Commission qui est pour la pêche électrique, le Parlement qui est contre, et le Conseil au milieu qui se laisse influencer par le lobby néerlandais de la pêche électrique qui, lui, met tout en œuvre pour que le Conseil bloque et qu'on garde au moins un statu quo, à savoir un certain nombre de dérogations autorisées. Et donc on a la Commission européenne qui, année après année, a favorisé ce lobby industriel qui est ultra puissant en Europe et qui a permis le développement incontrôlé de cette méthode de pêche.